Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Little Pony, donc putain, encore une fois, il va me faire chier lui, alors, périphérique de lecture, t'as intérêt à te mettre cette fois-ci, tu te mets ou tu te mets pas? Ouais, normalement il est mis, mais ouais, bon, du coup... donc voilà, comme vous voyez, j'ai farmé, mais comme un grand malade. Donc j'ai dû commencer, je sais plus, il devait être... je sais plus à quelle heure j'ai commencé, je sais pas, dans la soirée, donc dans les environs 8h, ou peut-être même avant, je sais plus du tout. Et j'ai fini, il était 1h30 du matin. Donc vous imaginez bien à quel point j'ai farmé. Donc en fait, vers les minuit, je crois, ouais, vers les minuit, j'ai découvert que en avançant de jour, donc par exemple là on est le 28, hop, tu récupères tes trucs comme ça. Ouais, t'es content, tu récupères tes trucs, nanana, tu fais tes machins, tout ça. Et t'avances d'un jour, enfin tu quittes le jeu, t'avances d'un jour au niveau de. Au niveau du time là, au niveau de la. Du calendrier, t'avances d'un jour, tu reviens dans le jeu, et là il y a un jour qui s'est passé dans le jeu. Et donc du coup, bah ça te permet d'en gros. Par exemple ça là qui met normalement 39 minutes, vu que tu auras avancé d'un jour, les 39 minutes seront passées et donc du coup tu pourras récupérer les sous, donc c'est à dire vers minuit et tout j'ai pu encore plus farmer et donc du coup ça m'a permis de faire encore beaucoup plus de choses, sinon j'en serais jamais là, donc du coup ça m'a permis vraiment de bien avancer. Vous voyez, je suis quand même niveau 23 alors que j'étais niveau 10, donc vous voyez le délire quand même. Voilà, alors je vais vous montrer un peu au niveau des éléments ce que j'ai. Donc j'ai quand même 127 éléments loyauté, non loyauté c'est lui, là c'est la vérité, enfin un truc dans le genre, tu vois, la sincérité, là c'est la générosité, donc 171 diamants de générosité quand même, et là c'est la bonté, mais j'en ai que 40 et il m'en faut 100, vous imaginez le truc un peu, voilà, alors juste regardez, j'ai découvert ces deux endroits, enfin ces endroits ici là, donc du coup on a accès à l'élément de générosité, et donc du coup si on veut on peut l'activer, ce qui est plutôt pas mal, donc on va faire ça ensemble, c'est parti, on va activer, voilà, donc ça c'est fait, alors amusant, vous vous êtes débrouillé pour activer la seconde partie d'harmonie, ouais, mais ça ne vous servira à rien, mais c'est ce qu'on dit, ben oui, c'est ce que nous verrons, bah voilà, Night Moon. Ne t'en fais pas Spike, ce n'est qu'une question de temps, on ne le laissera pas gagner, enfin on ne la laissera pas gagner. Je ne suis pas trop inquiet Twilight, avec des amis comme les nôtres, on ne peut pas perdre. Effectivement, toi je m'en bats steak. Ok voilà, donc bah du coup voilà, on a récupéré l'élément de générosité, donc alias... Rarity, voilà, ok. Donc là, par contre, il nous faut 100 éléments de bonté. Malheureusement, c'est la merde parce que j'en ai que 40 et c'est très dur à avoir. C'est long, quoi, c'est long. Voilà, donc du coup, on va récupérer. Voilà, donc je vais vous montrer un peu aussi au niveau du catalogue, là. Hop. Catalogue, album, voilà. Donc vous voyez, il y a déjà les 4 personnes là. Donc vous voyez déjà, niveau 5, niveau 5, niveau 4, niveau 4. Donc relativement pas mal. Après, hop, j'ai nouveau, tu vois, j'ai personne là de nouveau et tout. J'ai Peekie Pie, j'ai Monsieur Machin, j'ai Snips, j'ai Applejack, j'ai Spitfire, et j'ai Teacher Pet, voilà. Donc ça doit être prof d'animaux, un truc dans le genre, je sais pas trop. Alors, du coup, elle est où? Elle est où? Ah ouais, elle est là, voilà. Ok, d'accord. Non, je cherchais Madame Cup, mais voilà. Un cupcakes, ok. Ouais, donc du coup, il y a pas mal de trucs. Donc, il y a ça qui donne des sous. Il y a ça aussi qui donne des sous. Donc, ça fait quand même pas mal de sous. Vous imaginez un peu 900 et tout, tous les 2 heures et tout. Ça fait pas mal de sous. Il y a ça aussi qui donne des sous. Il y a ça là. Enfin, bon, ça fait vraiment pas mal de sous. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai quand même bien farmé, je trouve. Alors par contre je comprends pas le truc du ballon, parce que quand on met le truc gratuit, bon on gagne vraiment que dalle, hein, c'est un truc de fou. Hein. Regardez, en plus c'est compliqué, hop, il faut appuyer le plus vite possible pour essayer de péter le maximum de ballons. Et voilà, on gagne que dalle. Hein. Regarde, 37 pièces, 49, 4, enfin bon, c'est nul quoi, c'est vraiment nul le ballon, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, donc du coup on va aller à Kaestria et on va faire ce qu'on devait faire la dernière fois.
Voilà, donc bon, pour l'instant, hein, ça, j'y fais pas. J'y ferai plus tard. À la limite, on va se faire la mine peut-être après. Attends, juste là, c'est quoi? Ah, donc récupère des gâteaux décorés. J'ai récupéré où tes gâteaux? Ouais, oh, c'est 50 gemmes ton restaurant, t'es sérieux là? Oh lolo. Ou c'est peut-être là, non? Café Canterlot. Ouais, franchement, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop ta mission. Ok, donc on va voir lui. Qu'est-ce qu'il veut? Les filles des grenades dansent mieux que jamais. Tout le monde devrait voir comme elles sont douées. Ok, d'accord. Bon, bah ça c'est fait. Ok, alors maintenant tout le monde peut voir. Ok. Donc ça, je m'en fous un peu. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Je dois travailler mes pas. Après tout, il ne faudrait pas que mes jambes rouillent. Joue 808 chansons, carrément. Plus que 37 minutes. Ok, non mais bon. Pourquoi pas. Ok, donc du coup, on récupère. Voilà, on regarde les autres. Donc voilà, souhaiter la bienvenue à Aloé. Donc on va voir où aller. Putain, mais 18 gemmes, quoi, t'es sérieux? Bon, allez, c'est parti. Que naze. 18 gemmes, quoi, c'est énorme. Ok, mets-moi ça là. 14 heures, pas de soucis, pas de soucis. Ok, voilà. Et après, je dois signer à louer une boutique, ok. Seulement, j'ai pas de boutique. Ça risque d'être dur. Hein. Après, donc ça, non, je peux pas. Toi, qu'est-ce que tu veux? Souhaiter la bienvenue à Twilight Velvet, ok. Twilight Velvet, est-ce que j'ai assez? Oh, mais j'ai pile assez, c'est bon ça. Allez, viens là, toi. Putain. On te met où, toi? Putain, mais t'as pas de place. Ah, y a aucune place, t'es sérieux? Bon, on va faire un peu de place. Ouais, c'est dommage, parce que c'est beau comme ça. Je peux pas y mettre là, là. Putain, c'est dégueulasse, quand même. On va faire de la place, c'est pas grave. Hop. On va modifier tout ça. Toi, tu... voilà. Oh, mais je peux enlever les chemins? Mais t'es sérieux? T'aurais pas pu me le dire plus tôt? Putain. Ok, voilà, donc du coup, maintenant, on va acheter ma toilette de mes deux, là. Non, Canterlot. Ouais, si, je suis sur Canterlot. Elle est où, elle est où? Elle est là, toilette Velvet. Voilà. Donc, normalement, je peux. Tranquille. Ok, d'accord. Nickel. Donc, voilà. Donc là, ça commence déjà à être bien. Parce que là, on a deux nouveaux poneys ici. Donc on a fait deux missions. Alors juste, regardez ce qu'on va faire. Hop. Voilà, regardez. Vite fait. Bah attendez. À la limite, on va faire ça là. On va faire la. Ça là. Ouais, ok. On va faire la mine. Voilà. On va jouer un peu à la mine vite fait. Et puis après, on se retrouvera pour quand on aura fini les maisons là. Ok? Voilà. Alors juste, hop. On joue un petit coup. Bah, de toute façon, on est obligé de faire du foin, hein, d'XP. Et puis c'est parti, donc toi j'en ai rien à foutre, merci. Ok, nickel. Voilà. Là, vous allez voir, normalement, je me suis un peu amélioré. Bon. Hop. Pas mal, pas mal. Franchement, j'aime bien moi, ce délire là comme ça. Putain, merde, j'ai loupé le. Ah, j'ai loupé le gem, dommage. Dommage, dommage. Ok, hop. Nickel. J'ai eu le deuxième gemme. Il y a moyen qu'on aille loin. Franchement, je vous assure. Il y a bien moyen qu'on aille loin. Ça, c'est obligé. Oh, attention. Ok. Admirez la puissance qui est en moi. Bon, par contre, je vous cache pas que ça nique les yeux. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ok, non, non, oh, j'ai failli tomber. Nyctaras. Nyctaras. Là, vous dites, mais pourquoi tu utilises un gemme? Mais c'est pas bien. Et bah, parce qu'après, derrière, on va en gagner deux. Donc, du coup, enfin, si je les récupère. Mais normalement, on va en gagner deux. Donc, du coup, c'est rentable. Pour l'instant, c'est rentable. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu le délire. Comment ça fonctionne? Ok. Hop, donc on bouge pas. Ouais, donc pour l'instant il n'y a pas le gemme. Okay. Des fois ils sont durs à prendre donc du coup. Ok, hop. Putain, il n'y a toujours pas le gemme quoi. Hallucinant.
Ils vont pas se foutre de ma gueule quand même. Ah voilà, enfin, putain. Des fois ils sont un peu longs. Hein. Ok, voilà, petit deuxième. Normalement il y a un petit troisième. Non, il y en a pas trois, je veux dire. Ok, alors en fait, au niveau des gemmes, la première fois, donc dès que vous commencez la partie, là, vous avez normalement un ou deux gemmes de disponibles. Mais juste un ou deux. Hein. Vous pourrez jouer pendant 10 heures d'affilée, ça sera que un ou deux gemmes. Après, une fois que vous perdez, vous avez la possibilité de ressusciter pour un gemme. Et dès que vous ressuscitez pour un gemme, ça fait spawner dans la map deux gemmes que vous pouvez récupérer. Donc si vous arrivez à récupérer, bah, vous êtes gagnant. Sinon, bah, vous êtes perdant. Ok, voilà. Ouais. Et pas plus, hein, juste deux, tout ça. Et après, dès que vous ressuscitez une deuxième fois, ça coûte deux gemmes. Et à ce moment-là, ça fait spawner 3 gemmes sur la map que tu peux récupérer. Donc du coup, encore une fois, t'es gagnant. Par contre, si tu réussites encore une autre fois... Putain, là, je l'ai pas eu, dommage. Si tu ressuscites encore une autre fois, et ben, ça te coûte 4 gemmes. Et cette fois, il n'y a que 3 gemmes qui spawnent dans la map. Donc du coup, t'es forcément perdant. Donc, quand il y a 4 gemmes... Enfin, quand tu ressuscites pour 4 gemmes, bah, c'est mort, quoi. Enfin, vaut mieux pas. Mais en gros, tu peux ressusciter jusqu'à 2 gemmes. Si t'arrives à les récupérer derrière, au moins t'es sûr que t'es pas vraiment perdant, t'es même peut-être gagnant si t'es plutôt fort pour récupérer les gemmes. Donc du coup c'est vraiment une petite astuce plutôt pas mal que je peux vous donner. Bon voilà, vous voyez, j'étais perdant, j'ai récupéré que un gemme malheureusement. J'ai pas récupéré le deuxième parce que je suis mort. Mais malgré tout voilà, ni le troisième d'ailleurs. Ok voilà, donc c'était un petit truc comme ça pour vous dire. Voilà donc du coup... hop, on va à Canterlot. Ouais, c'est un peu difficile de parler et en même temps de bien jouer sur la rail et tout ça. Donc du coup là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se revoir là dès que ça sera fini. Donc vous pensez bien que j'ai utilisé l'astuce du calendrier, tout ça, hein, de changer l'heure et tout. Et puis voilà. Ah, donc là, j'ai redémarré le jeu. Voilà, j'ai bien changé la date et là, les bâtiments sont construits. Donc du coup, bah c'est cool, c'est génial. C'est magnifique, donc du coup... Ouais, ok, il faut que je leur souhaite la bienvenue. Allez, venez, venez, venez. Et bah voilà, c'est nickel tout ça. Ouais, donc du coup, ça nous permet quand même de finir le bâtiment un peu plus vite. Du coup, ça peut être pas mal quand même. Franchement, ça peut être pas mal. Ça aide bien, surtout au niveau des vidéos. Ok, alors. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai quelque chose, là? Je pars ici? Non, je pars ici parce qu'il manque encore un autre truc. Et c'est... D'accord, assigner machin à une boutique. Et comment je fais pour assigner une boutique, moi? 179 minutes, vous êtes sérieux? Vous avez vu un peu, je l'ai fini à fond. C'est génial. Bon, il se passe rien quand on le finit à fond, donc bon. C'est un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Ok, ouais, alors par contre, j'ai aucune boutique. Donc, ça risque d'être dur de l'assigner à quoi que ce soit comme boutique. Putain, ça me saoule quand ça fait ça. Ok, bon... voilà, donc en fait ça fait un gros zoom, mais vu que la molette de ma souris fonctionne plus, le gros zoom casse ses couilles. Alors du coup voilà, c'était juste voilà, on a fait un peu quand même le machin, on a bien avancé quand même, on a débloqué un élément, on a réussi à acheter deux personnes, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Alors juste ouais, j'ai vraiment pas de bâtiment la prochaine fois, il faudrait que j'achète quoi comme bâtiment? Alors Canterlot, boutique, putain, 40 000 la boutique là. 40 000, 80 000, 500. Allez, mais non, c'est pas une boutique, mais enfin bon, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Ah ouais, par contre, je peux pas la placer. La blague, je peux pas la placer. Je peux pas du tout. Ouais, même là, je pourrais même pas la placer. Ah si, en changeant ça là. Ouais, je vous dis à tout de suite. Voilà, nickel, ça c'est fait. Ok, donc j'ai débarrassé un peu tous les arbres là-bas. Ah oui, il faut se débarrasser ça aussi. Bah regardez, on le fait en 2 secondes chrono, franchement. Ça prend pas longtemps, je vous assure. Si, si, non, ne partez pas, restez dans la vidéo, s'il vous plaît. Ça prend vraiment pas longtemps. Avancez pas la vidéo, regardez, regardez. C'est fini, voilà, regardez. Regardez, c'est fini, voilà, hop là. Pas besoin d'avancer la vidéo. C'est déjà fini. Oh, nique ta mère, vas-y. C'est déjà fini, j'ai dit, ok. Voilà. Non, parce que le truc, vous voulez pas se placer. C'est tombé, quoi. Voilà, donc du coup, c'est déjà fini. Et on va pouvoir placer notre stand à ballon. Voilà, et on se dira une prochaine fois. Ok, alors on se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà, c'est fini, ok, c'est parti. Voilà, donc bien entendu, j'ai pas avancé le temps, hein. J'ai attendu les 30 secondes, voilà, je suis pas non plus impatient. Voilà, donc du coup, allez au stand de nanana, ok, c'est parti.
Voilà. Faudra quand même que j'essaye ça un moment. Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même. Faudrait essayer. Alors, du coup, ça donne quoi? Hop, alors, on va essayer de cliquer le plus vite possible, parti. Alors, attention. Hop. Putain, je peux pas aller plus vite, allez, putain. Bon, il y a un moment, j'ai réussi à tout éclater, mais c'est vraiment très dur. Hein. Putain, ça, j'ai gagné pas mal de trucs là. C'était pas mal ça. Alors, est-ce qu'après, ils sont différents? Parce que là, il reste 23h59. Et est-ce que de l'autre côté, ils sont différents? Hop. Ah ouais, du coup, en avançant le temps, ouais, ça. Ça aussi fait ça. Ok, voilà. Donc, du coup, est-ce qu'ils sont différents au niveau du time? Est-ce que lui, je peux jouer? Ah non, c'est les mêmes. Putain, c'est la même chose. C'est la même chose. Bah, dommage, dommage. Franchement, dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup. Voilà, du coup c'était plutôt pas mal, franchement, bon petit épisode, voilà, donc là il y a Spitfire, là il y aura Rainbow Dash, tout ça après, dès qu'on sera niveau 30 et tout, faudra acheter tous ces poneys. Voilà, donc pensant, ouais, il faudrait acheter lui, faudrait acheter lui, faudrait acheter lui, elle, enfin bon, ouais, surtout Fluttershy en fait, ouais, non, en fait, voilà. Prochain achat, Fluttershy. Ah, si, bah si, attends. Fluttershy. Ok, voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça, donc. Voilà, franchement. C'était bien délire tout ça. Hein. On a fait pas mal de trucs. Ouais, il y a lui aussi, un peu à acheter aussi. Enfin bon, il y a pas mal de choses à acheter. C'est chaud à tout gérer quand même. Hein. Franchement, c'est chaud. Ok, alors fais voir toi. Ok, hop. Voilà, nickel. On récupère tout ça. Hop là, ok. Bon voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, prochain épisode. Tension. Ça paraît logique. Ok, donc du coup, bah, je vous dis à une prochaine fois. Je vous dis ciao. Niveau 23 quand même, les gars. Tension, hein, je gère. Hein. Niveau 23. 2452 d'or et 8 gemmes. Ce qui est relativement pas mal. Alors, il faut inviter... Faites-le toi. D'accord, ok, bon, ça c'est fait, voilà. Là, j'aime bien les trucs comme ça qui sont faits en 2 secondes chrono. C'est génialissime. Ok, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et c'est trop simple. Voilà, donc, ah non, c'est ici. Ah ouais, mais non, on peut faire ailleurs, oui, effectivement. Voilà, donc du coup, bah, ouais, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. J'arrête de répéter, promis. Allez, ciao tout le monde!